Hello jeunes gens, c'est Squalichon. On se retrouve avec Ablette, merci Geralt. Là, ou pas. Voilà, dis bonjour. Dis bonjour toi aussi. Bonjour, ça va? Ah non, non, elle se casse. À beauté. Tu n'es Ablette. Intéresse pas. Alors, on se retrouve donc pour The Witcher 3 et... Bonjour, je fais le crapaud. Et vous? Vous faites quoi dans la vie? Non, moi je fais le crapaud. C'est tout, tu fais le crapaud, je fais le crapaud, c'est tout. Et ça gagne bien, ça va, ouais. Bah, il y a du. Le marché est assez ouvert, je dirais. Hein. C'est vrai que. C'est assez demandé pour des cérémonies, des mariages notamment. C'est vrai que ça fait. Ça marche bien, ouais. Les gens sont assez intéressés par les crapauds. Ouais, c'est ça. Oula! Vous allez. Demi-tour ou je poursuis? Ah, come on! Où est-ce que je vais? Je me fais trop vieux pour ces longs voyages. Eh, n'empêche que. Putain, j'aurais dû fermer ma gueule au premier épisode. Je crois que c'est le premier ou le deuxième, je sais pas, enfin bref. Ouais, enfin non, du coup, vu que je les ai coupés en 15 minutes, bon, deuxième ou troisième ou quatrième, même peut-être. J'ai dit que ça ressemblait pas vraiment à un open world. Et ben, j'aurais dû fermer ma gueule. Parce qu'effectivement, ça ressemble pas à un open world. Enfin, c'est pas un open world. C'est un faux open world, quoi. C'est carrément pas un open world, en fait. C'est des grandes zones. C'est pas un open world. Non, rien à voir. Bref. De toute façon, j'aime pas, moi, cette idée d'open world. Ça me dérange pas, d'ailleurs, fondamentalement, par rapport à ça, parce que... J'aime pas... Tu m'as fait peur. J'aime pas cette idée d'open world, ça me fait beaucoup penser, si vous voulez, à... Quand les consoles next-gen sont... Enfin, les consoles next-gen, old-gen, du coup, PS3, Xbox sont sorties, c'était... Bah, c'était les HD, c'était beau quoi. Puis aujourd'hui, bah bon, bah ça, de toute façon, c'est du passé donc on peut plus tellement vendre ça. Ah merde, non, c'est vrai qu'Ini ça sert à rien avec eux. Ok, super. Ah merde! Ah, yeah, oh! Ah, tais-toi. Voilà, coupé en deux. Ça rentre comme dans du beurre. Ouais, on nous fait chier, machin. Ah, t'as vu comme c'est beau, machin. Bon, et puis bah, aujourd'hui, on peut plus. Enfin, on peut toujours, mais je veux dire, voilà. C'est du passé quelque part, c'est beau. Donc maintenant, c'est open world. Je sais pas si vous avez vu. Enfin, si vous avez déjà vu, puisque de toute façon, je crois que Benzaï a fait une vidéo en disant ça, effectivement, en se moquant un peu de cet aspect-là, qu'effectivement, les mecs. Open world. Et moi, moi, ça me casse les couilles cette histoire. Ça me casse les couilles déjà, parce qu'effectivement, c'est très. C'est très... voilà, hein. C'est très histoire de vendre un truc, quoi. Vous possédez déjà cet objet. Ah oui, mais ça... Ah si, ça détruit les... Ok. Alright. Vous possédez déjà cet objet. Merveilleux. T'es sûr de toi, là? Oui, non, c'est ça. Ah, merde. Ça va pas me plaire, ça, je sens. Comment je fais, du coup? C'est déjà cet objet. Ah, peut-être tout simplement, il faudrait que je fasse ça. Attends, c'est complètement con. Me dis pas quand même que. C'est complètement con. Vous êtes sérieux, les mecs là? Non. Je refuse d'y croire. Attends, c'est laquelle que je peux faire? Samoum. Non. Pas toi que je t'ai dit, c'est toi. Faut faire ça? Ah, sans déconner. Bon, j'espère que j'ai raté un truc et que c'est plus intelligent que ça, parce que là, c'est complètement con votre histoire, les mecs. Soyons clairs. Ça aussi je peux jeter, ouais, à moins que je puisse. Je vais pas le jeter, on sait jamais, mais bon, je sais pas. Ouais, ça me vénère pas mal les mondes ouverts. Bon, déjà, ouais, ce petit côté. Ah, monde ouvert. Bon, c'est un peu ridicule. Et puis en plus. Euh...
Oula, les mecs. Aïe, 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 pardon, excuse-moi, je regardais pas. Magnifique, absolument pas voulu. Niveau 4, points disponibles, 1, sweet. C'est plutôt ça que je pensais qu'il allait se passer quand on détruit un nid de ghoul. Ça me semble beaucoup plus logique, ça. Devrait épuiser. Ouais, 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 deux secondes. Calme-toi, Geralt. Et ouais, donc voilà, ce côté déjà, effectivement, on fait tous du open world, machin. Et puis surtout, bah voilà, c'était ça, quand il est sorti le machin, ah, et du coup, j'ai ça. On va choper un point de technique direct hein. Quand c'est sorti les trucs, les jeux beaux PS3, Xbox, et bah c'était des... Il y avait beaucoup de jeux bien pourris qui duraient 2 heures et... Les points de moyenne augmentent les dégâts. Putain, mais j'ai le droit de savoir à quoi ça sert la moyenne. Bon, bah déjà ça servira à ça hein. ça sent déjà ça. Et du coup, j'ai même envie de dire. Voilà, alors, voyons voir. Tac. À moins que le fait que ce soit rouge, c'est qu'au contraire, j'ai rempli ma jauge d'adrénaline. Hein, c'est peut-être comme ça. Ouais, possible, je sais pas trop. Bon, enfin bref. Et donc, ouais, à la sortie, donc les jeux étaient bien pourris. Tout court, tout naze. Voilà, enfin, c'était de la merde quoi. Pas tous, non mais pas tous. Mais il y en avait quand même une petite tripotée. Et là je trouve que c'est un peu pareil avec le open world, c'est voilà, du open world donc c'est bien. Bah non, je suis navré, et moi c'est pour ça que je suis très... Bon alors faut voir, faudra voir quand il sera sorti, mais en tout cas pour l'instant j'aime pas du tout Starbound. Mais alors vraiment pas. Parce qu'on nous a quand même vendu le truc, c'est Terraria, mais avec un open world fantastique, merveilleux. Bah je suis navré, mais le monde de Terraria, il est fini, il est machin. Mais en attendant, il y a 10 millions de trucs à faire dans le monde de Terraria. Starbound, il y a ok 15 000 planètes, mais en attendant, c'est 15 000 planètes de merde sur lesquelles vous avez une vague construction toute pourrie. J'ai pas envie d'un open world, c'est pour avoir ok 15 000 planètes, alors super, t'as changé la couleur de la Terre de rouge à bleu, de bleu à vert, etc. J'en ai rien à foutre, j'en ai absolument rien à foutre. C'est vide, y'a rien, c'est le néant. Donc ça me faisait un petit peu peur, alors, ça me faisait pas trop peur pour The Witcher, je vous avoue, bon. Mais en revanche, j'étais pas convaincu qu'ils fassent effectivement un open world. Déjà parce que la narration, ils peuvent pas tellement se permettre honnêtement. Vu le degré de narration de The Witcher, je les voyais assez mal Allez. Faire un véritable open world. Après, il y a l'histoire, apparemment, ils ont downgrade les performances graphiques. Alors peut-être que... C'est quoi, c'est du loup, ça? Ouais. Au galop, Hamlet. Mais non, pas au galop, ça va. Ouais... Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, je sais plus quoi. Je disais. Si voilà, ils ont downgrade les trucs, les graphismes. Alors, je sais pas. Peut-être que de la même manière, ils ont revu un peu leur copie par rapport à l'open world. Je sais pas. Assez vite. Je sais pas. Enfin, en tout cas, moi, je m'en fous. Honnêtement, l'open world, j'en ai rien à foutre. C'est pas du tout un argument qui me vend du rêve. J'en ai strictement rien à branler. Je préfère un monde fini, riche et intéressant. Qu'un pseudo open world vide et inintéressant, de très très loin même. Ouh, ça va pas me plaire ça, de me battre dans l'eau. Noyeur niveau 10. Alright. Non, pardon, oula. Cassos. Ih mon dieu. Nage bordel. Ah. Ah. Run away. Ok. Niveau 10. Je suis niveau 4 moi. Ouais, je suis niveau 4. Il était rouge quand même hein. Ah tiens, j'ai pas mis mon point de compétence. Il est niveau 4 quand même le bougre, on va se mettre là, tiens.
Voilà, très bien. Niveau 4. Non, moi je suis niveau 4, lui il est niveau 10. Je sais pas ce que vous en pensez, je suis pas saucé moi. Hein. Puis dans l'eau en plus, non, je suis pas saucé. Je sais même pas d'ailleurs, on peut se battre dans l'eau? C'est pas flagrant cette histoire. C'est flagrant. Et je fais ça. Sors ta petite épée. Non, voilà, c'est ça, tu sors pas ta petite épée. Tu veux pas te battre, ouais, c'est ça, donc comment je fais? Alors attends, parce que du coup, si je ne peux pas me battre, c'est peut-être une bonne nouvelle en réalité, parce que peut-être que ça veut dire que je peux aller là-bas, voir ce que c'est, sans aggro, Lodziger. C'est risqué, je vais pas te le cacher, je suis pas très serein. Surtout si monsieur se bloque. Oh là là, il y en a partout. Je fais un petit peu le tour, c'est à l'autre là, hein, qui fait chier. Cassez-vous, bande de noyeurs. Ok, cassos. Run away, ah. Oh. Holy shit. Merde, non, ça pue le cul, ça. Oh, ça pue le cul. Aïe. Ah ouais, non, là c'est la mort, là. Là, c'est carrément la mort. Ah, peut-être pas. Allez, nage, bordel. Allez, plus vite. Holy shit. Il est plus rapide en haut. Allez, c'est bon. Alright. Eh ben. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai looté? Je crois que j'ai looté une... Ah, nice. Ah, mais du coup, je revire, voilà, je revire ça. Bon, on va aller démonter au mec, là. On va aller vendre 2-3 conneries ici. J'ai looté une feuille, non? Tu m'as pas dit que j'ai looté une feuille, si, mais probablement donc en alchimie, on imagine. Ça, c'est quoi? Du caca, nanana. Alright, alchimie. Alors, créature maudite, chat, décoction d'archigriffon, d'équimé, de feuillard, de catacan. Pour tes chances de coup critique, nice. 100% d'intoxication par contre, ah ouais, dur. Ah oui, puis en plus, ça utilise un machin, donc ça déconne pas quoi. Bah, c'est une potion relique. Ok. Ouais, ça va, hirondelle, miel blanc, mutagène, vermillon. Ok. Allez, c'est hyper. Alors, moins combat. Vite. Moins vite. Mais elle n'a pas bougé. Calme-toi, Garrett. Je sais pas si je vais pouvoir passer là, ça m'étonnerait. Oui, c'est même tout à fait parfaitement improbable. Donc on va passer là, et on va aller voir le forgeron, vendre 2-3 conneries. On a tout fait, merveilleux. On a save the day, hein. En même temps, on est là pour ça. Non, on n'est pas là pour ça, d'ailleurs. Donc nous sommes des héros, parce que le vrai héros est celui qui agit pour le bien commun, indépendamment de sa mission. Allez. Ah bah si, on peut passer là. Sauf si Ablette veut pas quoi. Ah. Vous autres Nordiens, vous connaissez pas la visite. Ouais, ok, peut-être, mais enfin nous on n'apparaît pas comme ça. Qu'est-ce que t'as à dire à ça? Ah, mais ouais, par contre, si je fais ça, tu vas peut-être pas être content. Si, ça. J'ai pas très bien compris leur délire par rapport au vol quand même. Hein. Ça m'a l'air. Ça m'a l'air plutôt random. Les pauvres Jean-Guy. Au galop, Ablette. Oh, allez, Ablette, tu peux passer là quand même. Allez, voilà. Tagala, voilà les Dalton. Ah oui, donc du coup, pardon, chez moi les mecs. Du coup, il m'a pas récupéré ma tête de griffon, donc je peux la garder. Ah oui, et effectivement, c'est vrai que depuis. Je sais pas ce que c'est, ces petits pointillés là.
Parce que là, on dirait, ça te guide vers la quête, mais non, t'entends, non. Que ça guide. Ouh, pardon les mecs, excusez-moi, parce que je regardais les pointillés. Pardon. Non, c'est ma faute, c'est ma faute. Ça mène peut-être au marchand, non? Qu'est-ce que ça mène, bordel de fion? Non, ça mène pas au marchand. Oui, si, ça mène à la quête, mais j'ai pas l'impression que t'entends, ça mène pas à la quête. Si, ça mène à la quête. Ça mène à la quête, mais ça suit la route en fait, c'est ça? Bienvenue, fidèle client. Que puis-je pour vous? Déjà, j'aimerais bien que quand je te parle, tu arrêtes de taper un coup de marteau supplémentaire alors que tu as les bras croisés. Possible ou pas? Alors, d'abord, oui, d'ailleurs, réparer, pourquoi pas. Alors, tant qu'à faire ce que j'ai d'équipé. Ouais, 61, très bien. Oui, alors, eux, vas-y. Voilà, ça c'est pas équipé, c'est pas équipé, ça c'est équipé, c'est à 70%, écoute, pourquoi pas. Putain, 30 pièces d'or, hein. T'emmerdes pas mon bougre. Hein. Ah tiens, retirer l'amélioration. Hop. Merveilleux. Démonter. Alors. Ça, tu peux démonter ça? Cerveau de monstre. Et sans monstre. Alright. Ouh, ah oui, non. Ok. Je crois que c'est bon, on a tout. Pour aller vendre. Tiens, je te vends zéro machin. Démonter artisanat. Alors oui, voyons voir ce qu'on peut éventuellement crafter. Alors, voyons voir déjà ce qu'on peut crafter in fine. Alors, la jacques machin. La jacques machin. Alors, armure plus 7. Plus 0% d'intensité du sinini, forcément, parce que je n'ai pas de machin. Est-ce qu'il y a un socket? On voit pas, ça. A priori, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Hein. Des chances, quand même. En revanche, plus 25% de résistance. Il met pas de plus machin, donc ça, je dois déjà avoir ça. Ouais, c'est cool. Ok, alors on va voir par rapport à ça déjà. Ah oui, non, ça c'est pas bien ça. Équipement léger augmente l'armure et le regain de vigueur. Enfin, si je le dis, moi je veux bien le croire, mais c'est pas marqué quoi. Hein. Donc ça marche pas. Un ingrédient manquant. Ah merde. Armure de. Merde. Ah merde, 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 merde. Ouais, mais en même temps. Le problème c'est que si je le rachète, parce que j'imagine que je lui ai vendu, talent de B. Non. Je l'ai démonté. L'aurais-je démonté? Bizarre. Alright, c'est pas grave. De toute façon, est-ce que c'est mieux? C'est chiant ça, si je peux pas du coup, parce que ça, si je l'ai vendu ou démonté, pas pouvoir tellement équipement de sorceleur, hein, c'est ça, alors que les autres c'est pas équipement de sorceleur. Équipement de sorceleur, là quand même, hey. Niveau requis 1, cela dit, niveau requis 3, niveau requis 1, ouais.
ça augmente l'armure quoi. Ouais, là 30, 42 quand même. Hein. Mais bon, résistance élémentaire plus 15, bon ça c'est pas ouf. Contre résistance aux dégâts des monstres, ça j'avoue que c'est plutôt cool. Après, ouais, moins de résistance aux contendants. Ouais, pas perforant non plus. Intensité, bon ça c'est normal, résistance à ça. Ouais, je ne saurais dire, ma foi, je ne saurais dire. Qu'est-ce qu'on peut faire, démonter ouais, bon, bah, je sais pas. Je sais pas de toute façon ce que j'en ai fait, cette armure. Au revoir, merci. Adieu. Ouais. C'est bizarre, ça. Je sais pas... Ah, on est d'accord. Ah, on est d'accord, ok, très bien. Bon. Bah écoute, if you say so, hein. Alors, Gertrude. Oui, non, d'ailleurs, Gertrude reste là. On va aller voir Vézémir. Il bouille, c'est la fête à la grenouille. Ouais, si, c'est ça, ça indique la... Qu'est-ce que tu fais, Jackie? C'est pourquoi? Tiens. Oh, est-ce que je peux buter le chat? C'est pas moi. Viande crue de la viande de chat. Bah, c'est pas comme s'ils pouvaient lui recoudre la tête. Paraît qu'ils ont déposé le corps en secret dans une crypte. Ah, ça, c'est eux qui ont déposé, d'accord, ils ont déposé le corps, ok, donc il s'est pas fait tuer comme une. Comme une sombre merde dans la crypte, le sorceleur. Il s'est fait. Enfin, du coup, il s'est fait buter par des paysans. Je pense qu'il est le mieux, remarque. Hein. Peut-être mieux de se faire buter par des monstres dans une crypte. Hein. Peut-être moins honteux. Ah, bonjour. Il y a quand même la déception de ne toujours pas avoir tronché de paysanne, alors que dans le 1, tu commences, tu tronches de la paysanne. Ce qui est agréable, la paysanne est agréable à troncher, comme chacun sait. S'il y a des paysannes parmi vous, hein, je les salue. Je vais t'arracher la tête. Bandit. D'accord. Je suis gentil. Viens voir, tonton. Et pourquoi vous êtes des bandits? T'es complètement con. T'es complètement. D'accord. Très bien. Ça renvoie à ce que dit Voltaire. Hein. C'est bien. C'est des nouveaux mecs, ça. C'est bien ça. Ah, mais toi aussi t'es un bandit. Mais sans déconner, vous faites quoi? Mais. Ouh, ça pue ça. D'accord, alors à mon avis, moi je dis, je table sur un, je vais parler à Vézémir. Ah, je t'ai fait tomber ton gobelet, donc t'es un bandit et tu fais rien. Tarlouse. Moi je table sur un, je parle à Vézémir, les gens sont pas contents pour une raison X ou Y. Peut-être d'ailleurs, vu qu'ils ont buté l'autre sorceleur, ils vont se dire pourquoi pas eux deux. Et il vous fallait autre chose. On va taper sur tous les connards. Non, c'est bon. Je vais checker, voir quand même si elle me disait pas des trucs. Pourquoi? Ouais, c'est full bandit là, c'est pas anodin. Moi je dis, ça schlingue du fion. J'annonce, schlingage de fion. Incoming. Yennefer est à Vizima. J'ai quelques amis là-bas. Alors, y a un problème? Ah, tiens. Regarde autour de toi, ça sent les ennuis. Ouais, on va les friter. Qui sont-ils? Des patriotes. Après 6 ou 7 tournées en l'honneur de Téméria, ils sont d'humeur bagarreuse. Je ne vois pas de Nilgardien. Dans ce cas, ils trouveront quelqu'un d'autre. Je vais acheter des provisions pour la route. Ensuite, on pourra y aller. Gérald, pour une fois, restons en dehors de tout ça. J'ai l'impression qu'on va pas tellement avoir notre... On va dire. Oula. Ils sont passés où, les lys? Je les ai décrochés. Décrochés? Pour mettre un soleil impérial à la place. Meuf, qu'est-ce qui t'arrive, là? Je ne suis pas sûr que tes yeux soient tout à fait ils normaux. Ils n'ont pas affiché les couleurs de la Téméria. Ils brûleraient l'auberge. Alors c'est peut-être vrai ce qu'on raconte. Que tu fricotes avec les soldats. Que t'es la pute de Nilgard. Je connais ta peine.
Je sais que tu ne penses pas ce que tu dis. Tu connais rien du tout. Ils ont pendu ma sœur. Ils l'ont traînée hors du cloître comme une chienne. Ils ont dit que Mulgar n'avait pas de place pour les superstitieux, qu'ils ne craignaient pas la colère des dieux. Et toi, tu la crains? Sans Annie, ton bébé serait mort, étranglé par son cordon. Ton fils doit la vie à ma sœur, t'entends? Et tu crains pas la colère des dieux? Tu la crains pas, salope? Ouh. Aïe! Attention, aïe, 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 aïe! Fichez-moi la paix! Ah merde. Meuf, qu'est-ce que c'est que ces yeux? Vous savez ce que c'est, non? Reculez. Tout va bien? Paraît que les sorceleurs enlèvent les enfants. Ouais, on les viole même. Carrément. Il vous a promis quoi, l'empereur? De l'or? Des terres comme aux elfes? Ouais. Tout de suite. On bougera pas d'ici. Ouais, c'est chez eux. Et pareil pour vous. Ah ouais, épée carrément. Oh fuck it. Je crois aussi. Bah non, mais... Ah, il en reste un. Ah bah non, c'est bon. Donc on va... Aïe. Bon bah décidément, on participe concrètement à la dépopulation de ce village. Hein. Ça va aller, c'est fini. Non mais elle est... Bah oui. Geralt, il voit une gonzesse direct, c'est... Ouais, vas-y, t'inquiète, je suis ton pote. Bah non, mec. Partez. Et ne revenez plus jamais ici. Ne pas s'en mêler, c'est raté. Partons d'ici. Couvert de sang, les mecs, tu sais. Ah merde! Ce n'est pas nous qui avons déclenché la bagarre. La bagarre! Il y a 4 cadavres, 5 cadavres, tu sais. Ah! Non, je peux y aller faire. Come on. Come on! Des excuses. Décidément, tu n'as pas changé. Yen ? Mais comment ? On m'a rapporté la présence d'un sorceleur à Blanchefleur. J'ai tout de suite su que c'était toi, que tu me cherchais. Bah oui, je te cherche, c'est-à-dire que tu me donnes rendez-vous, connasse ! Je me retrouve, mais tu me connais. La patience n'a jamais été mon fort. Mais tu fais chier. Je suis contente de te voir, Geralt. Je pourrais même t'étreindre si tu n'étais pas couvert de sang. Désolé. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Pour tout te dire, j'avais imaginé nos retrouvailles autrement. Vraiment? Et qu'avais-tu imaginé? La licorne. Il n'avait pas imaginé te voir escorté par des Nilfgaardiens. Désolé, Yennefer. Refroidi. Je suis content de te voir, moi aussi. Mais je crois que tu nous dois des explications. Je suis d'accord avec le vieux. Vous en aurez, ne t'en fais pas. Une fois à Vizima. Allez, en selle. Qu'est-ce qui presse? Bah, qu'est-ce qui presse Non, elle va nous expliquer à Vizima, puis elle est pressée depuis le début, donc... Ouais, parler ici. Il y a de jolis vergers en fleurs, pas loin. Ça masque presque l'odeur des cadavres. C'est tentant. Mais je dois malheureusement décliner. Vois-tu, quelqu'un a demandé à te voir à Vizima. Quelqu'un qui n'aime pas attendre. L'empereur Émir Var Emreis. Ou, pour ses proches... La flamme blanche qui danse sur la tombe de ses ennemis. Je ne fais pas vraiment partie de ses proches. La dernière fois que je l'ai vu, il voulait me tuer. Eh bien, aujourd'hui, il voudrait te faire une proposition. Du genre qu'on peut pas refuser, c'est ça? On peut, mais j'ai préféré accepter. Mettons à qu'elle me le dise. Que la proposition devait être intéressante. En temps normal, rien ni personne ne pourrait te faire renoncer à ta liberté. Plus tôt nous partirons, plus tôt tu seras fixé. Et toi? Nos chemins se séparent ici. L'invitation de l'empereur ne me concerne pas. Et puis, je dois rentrer à Kaer Morhen, tu te souviens? Oui, je me souviens. Merci pour ton aide, Vesemir. À très bientôt.
Ton cheval, il est rapide? Ça peut aller. Pourquoi? Ne traînons pas. Je me sentirai plus en sécurité derrière d'épaisses murailles. Salut, les amis. Et donc, la gonzesse qu'on a soignée, non, on s'en fout. Ok. Désolé. Non, c'est pas fini, c'est pas fini. À mon avis, ils vont nous la ressortir un moment ou un autre. Ça valait le coup de me demander si mon cheval était rapide, si c'était pour faire du trot. Quoi. Tu sais, j'ai rêvé de toi il y a pas longtemps. Te connaissant, ça devait être un rêve salace. Un peu. Au début, oui. Et ensuite. Ensuite? Ah. Ah ouais. Genre for real. Il y a la chasse sauvage qui est là quoi. Aïe, aïe. Holy shit. D'où le fait qu'elle soit pressée on imagine hein. Ah et toi. Oh mais toi. Il reste plus que. Ils ont viré toutes les escortes là, ça y est, déjà? Ah putain. Bah le coup. Bim! Ah non! Ça aurait été marrant qu'il se paye le. L'autre pont. L'autre bout du pont. L'audience. Ah oui, l'audience auprès de l'empereur, ok, pas l'audience genre. Pas l'audience, genre. Hein, voilà, le jugement. Dans sa quête de bien faire, amis et amour d'antan, Gérald arriva au village de Blanchefleur. La magicienne semblait. Ça va laguer, ça va ramer. Voilà. Enfin, avec l'aide d'un commandant de garnison impériale, Gérald apprit que Yen était en réalité non loin, à Vizima. Voilà, c'est normal, c'est parce qu'en fait, c'est un temps de chargement, leur petite machin. En plus, ne correspond à rien, puisque bon. Eh, elles sont contentes. C'est n'importe quoi. Pourquoi il y a des fleurs de lys? C'est acceptable. Genre la bête, tu sais. Vous pensez vraiment qu'Emir se soucie de ma propreté? Monsieur est prié de se référer à sa majesté impériale par son titre complet. Je vous abstenir. Si monsieur veut bien s'asseoir dans la bergère. Dans la quoi? Dans ce fauteuil. Où ça une bergère? Hein? Je peux m'asseoir dedans, vraiment? Edwin, rasez notre invité. Un demi-pouce de favori. J'ai mon mot à dire, ouais. J'ai pas envie de me faire raser là, qu'est-ce qui se passe? Oh! Pas envie de ressembler à un pecto comme vous! Je suis un mec du Nord, moi! Qu'est-ce qui se passe? Tu vas me couper les cheveux aussi? Oh! Ma barbe ne vous plaît pas, ouais, grave! Ma barbe ne vous plaît pas? Je trouve que ça me donne un air plus digne. Sans doute, monsieur, mais au détriment de votre élégance. Au Nilfgaard, les barbes sont peu appréciées, surtout quand elles sont infestées de loups. Je suis sur la route depuis un bon moment. D'accord. Allez-y. Relevez la tête, je vous prie. Et ne bougez pas. Alors, comment ça se passe? C'est des cheveux chelous, toi, mon gars. Oui, général. Monsieur sera aussi présentable que possible. C'est qui, lui? Un autre barbier? T'as l'air con. Non. Je suis Morvran Voris, commandant de la division Alba. Voyez-vous, ce sont mes hommes qui escortaient Yennefer. Ah bah ils ont pas été très... Escortaient, au passé. Oui, en effet. Aucun d'entre eux n'est rentré à Vizima, voyez-vous.
Ouais, bah je suis au courant. Hein. Peut-être ce qui leur est arrivé, sorceleur. Je vous écoute. N'oubliez pas que vous avez un rasoir sous la gorge. Ouais, bien sûr. Bah écoute, c'est simple, voilà, la chasse, sont morts au combat. Non, je dirais pas ça, non. La chasse sauvage les a tués. Des cavaliers fantomatiques surgit des ténèbres. Vous pensez vraiment que je vais croire ce genre de superstition pénale? Je peux te cacher que j'en ai rien à foutre. Franchement, c'est le cadet de mes sourcils. Je suis vraiment tellement sur la même longueur d'onde que toi, Geralt, ça me plaît. On aura beau vous laver, vous raser, vous habiller, on ne vous apprendra jamais les bonnes manières. Tout plaisir est pour moi. Voilà. Voulez-vous que je le rase une deuxième fois à contrepoil? Non, il est déjà suffisamment à contrepoil comme ça. Adieu, sorceleur. Ou plutôt, à très bientôt. Bien, monsieur peut s'habiller à présent. Bien aimable. Ah non. Je n'ai hélas pas reçu les mesures exactes de monsieur, mais notre tailleur pourra ajuster les habits au besoin. Oh non, non. Je refuse de m'habiller comme toi. Où sont passés mes vêtements? Tu me diras, mes vêtements étaient bien ridicules. Depuis longtemps, chez la blanchisseuse. Ils vous seront rendus après l'audience, lavés et amidonnés. Que monsieur me prévienne quand il aura choisi sa tenue. Oui, je trouve ça bizarre qu'il y ait les fleurs de lys. Tout droit sorti des contes nordiens. C'est un coup de fin. Sur le truc, puisque c'est les armoiries des autres. Cela dit, les armoiries de la France, c'est des fleurs de lys. Les armoiries de l'Angleterre, c'est aussi des fleurs de lys, puisque c'est la Normandie, nanana, tout ça. Enfin, c'est pas que les fleurs de lys, mais il y a des fleurs de lys. Donc peut-être que c'est un peu aussi le même délire. Et c'est marrant que ça soit les fleurs de lys. Et c'est pour le coup, c'est vraiment les armoiries de la France. C'est drôle, fleurs de lys. Je sais plus que vous appelez ça doré. Ouais, c'est ça, c'est doré d'ailleurs. Sur fond, je sais plus quoi. Parce que c'est pas bleu, tu sais, c'est des noms chelous. Genre, je sais pas, nuit, on sait rien. Bref, on s'en fout, c'est sur ces bonnes paroles que je vous laisse. Avant d'aller choisir ma petite tenue, je vous laisse en belle compagnie. Ça, c'est pour l'audience féminine, bien entendu. je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et voilà, c'est tout. Ciao les gens!